Yo le flag. Nous sommes le 9 décembre. Si vous mettez bout à bout tous les nous sommes le, je pense que j'ai vlogué tous les jours pour l'instant. Franchement, bravo Flowfly. Vous verrez donc ce vlog normalement le jeudi, je ne sais plus combien décembre. Il se sera passé pas mal de choses, donc il sera probablement un peu plus long que d'habitude, car je vais à Paris 2 jours normalement. Ce soir, j'avais la flemme, du coup ça va être spaghetti bolo de la flemme, c'est-à-dire je fais de la viande hachée et je fous un pot de sauce tomate tout prêt avec quand même un oignon rouge que j'ai coupé et peut-être une boîte de carottes en conserve et ça fera très bien l'affaire, voilà. Demain, je pourrai pas vous faire de live parce que ma petite nièce et mon neveu sont malades tous les deux et du coup, faut que j'aille les garder parce que ma famille ne peut pas se rendre disponible pour faire du télétravail. Enfin, ma sœur ne peut pas faire de télétravail. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Donc du coup, c'est moi qui vais les garder demain toute la matinée. Voilà, voilà. Donc franchement, je tiens bien le rythme. Je vous dis, là, en fait, j'aurais peut-être pas pu faire tous les jours, mais il y a des jours où j'aurais pu faire presque un vlog par jour. Mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça me ferait une dose de travail bien trop importante. Moi, je vais aller donc manger mes pâtes et je commence la lecture du cabinet de décembre, une des deux lectures. Les amants du Spoutnik de Haruki Murakami. Pour l'instant, j'ai lu 20 pages avant de m'endormir tout à l'heure. J'ai fait la sieste en rentrant de chez ma sœur ce matin. Parce que bah garder une petite de... Quel âge ma nièce? Elle a 2 ans et demi. Bientôt 3. Ouais, non, elle a 2 ans et demi. Et bah mine de rien, en plus, elle était malade, petite mère. Donc elle y est pour rien. Elle avait de la fièvre, elle avait mal à la gorge, elle tousse beaucoup. Donc bah elle est fatiguée, puis elle voulait pas dormir parce qu'elle savait que son père allait arriver et que c'était son père qui allait la coucher. Donc du coup, elle gambergeait. Mais c'est épuisant. Et limite, c'est moi qui étais en train de m'endormir sur le canapé pendant qu'elle, elle faisait la Java. Pour essayer de pas s'endormir. Et donc du coup quand je suis rentré de chez ma sœur, j'étais complètement KO, je suis allé me coucher et demain je garde les deux, hein. Donc là j'en ai eu qu'une aujourd'hui. Et j'ai du coup un peu avancé dans ce roman, mais en fait le peu que j'ai lu, j'ai l'impression que c'est un peu différent de ce que fait Haruki Murakami d'habitude, en tout cas là je peux pas prononcer parce que j'ai pas lu assez, mais ces premières pages on est vraiment dans le réel, il n'y a pas trop de réalisme magique, je vois pas trop d'onirisme, ça va peut-être arriver plus tard, mais on est sur un triangle amoureux avec deux femmes, une qui est plus âgée de 20 ans, je crois que, enfin, qui est l'aîné de l'autre de 20 ans, et un homme, et en fait, ces trois, j'ai l'impression, s'aiment un peu. Ça me fait penser aux amours imaginaires de Xavier Dolan. Voilà. On verra bien, hein. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air vraiment prometteur. J'ai hâte de vous en reparler. Donc du coup, voilà. Cette semaine, je vais pas trop blablater, parce que je vous dis, vu que le vlog va durer sur une semaine, c'est sûr que j'aurai des trucs à vous dire. Donc, pas de faux remplissage cette semaine. Gros bisous. J'en profite, là, parce que j'y pense. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé ce que j'écoutais comme musique lorsque je lisais, focus s'il vous plaît, non, voilà merci, j'ai la chance de pouvoir lire en faisant n'importe quoi, je peux mettre un film ou une série ou une vidéo YouTube ou quoi que ce soit et j'arrive à faire les deux en même temps, enfin, tout dépend de la lecture mais en général j'y arrive. Mais sinon en termes de musique en ce moment mon dada c'est ça, je tape en recherche sur YouTube Christmas from another room et en fait c'est des vidéos, alors j'aime bien cette chaîne Nemos Dreamscapes. C'est des vieux dessins très kitsch, très vintage, avec des vieilles musiques un peu... Bah attendez, je vais vous faire écouter rapido. Avec un feu qui craquelle, du vent, etc. Je vais vous faire écouter celle-ci, par exemple, très rapidement. J'espère que je ne vais pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Au pire, je retirerai le passage. Mais c'est de la musique qui est un peu sourde, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit que ça vient d'une autre pièce. C'est comme si on dormait au coin du feu et que quelqu'un jouait de la musique dans la pièce à côté et j'adore, ça me détend de ouf, surtout avec le bruit de la cheminée et le vent qui souffle. Et c'est des vidéos de 3 heures, il y en a au moins 5 je crois, 1, 2, 3, 4 sur cette chaîne, il y en a 4. Et sinon en règle générale j'aime bien la chaîne Calmed by Nature qui elle, pareil, propose des ambiances. Alors vous voyez par exemple celui-là j'aime beaucoup pour l'automne, là c'est un petit coffee shop avec de la musique de jazz. Il y a des musiques un peu plus spooky, vraiment il y a des ambiances, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, et ça c'est typiquement le genre de vidéo que j'aime bien mettre sur la télé, en plus ça fait une petite ambiance avec la lumière, etc. dans le salon, c'est parfait. Et du coup je vais aller faire ça ce soir, là je viens de me faire chauffer de l'eau, je vais faire un thé vol des coccinelles, on l'a pas goûté d'ailleurs, j'ai rien entre les dents, on l'a pas goûté mais je le connais aussi, c'est un thé qui est très floral, thé vert, thé blanc, rose et jasmin je crois, je sais plus, il y a un problème avec le focus là. Donc je vais aller faire ça, je vais mettre ma petite musique, prendre le chat sur les genoux, et c'est parti, on kiki. Nous sommes le 11 décembre, il est 15h,
Moins 10. J'ai pas pris le temps de filmer encore aujourd'hui, j'avais une matinée chargée. Pourquoi je vous prends ? Alors oui, je suis à la bourre dans les sachets de thé, on reprendra quand j'aurai 3 minutes pour me poser. Et en plus, je vais partir de chez moi pendant plusieurs jours, donc je n'en ouvrirai pas. Je pense qu'on ouvrira tout d'un coup, puis on goûtera celui qui m'intéresse le plus. Bref, aujourd'hui, il est 15h, et je vais au Furet du Nord à Reims, qui a ouvert il y a 2 semaines à peu près, pour rencontrer Sarah Baruch, l'autrice de, entre autres, Puisque le soleil brille encore, qui est sorti cette année, et Le cas zéro, qui est sorti il y a un an ou deux. Deux romans que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Le cas zéro, c'est un thriller médical sur les premiers cas, justement, de sida en France. Et Puisque le soleil brille encore, c'est un roman à cheval sur plusieurs temporalités et plusieurs continents, notamment la France et l'Argentine, sur une femme qui est en quête d'identité, de savoir d'où elle vient. Et on va rentrer dans l'histoire des bébés volés par la junte militaire en Argentine, dans les années 70, je crois, mais je suis pas sûr. Bref, j'avais beaucoup aimé ces deux romans. Je sais que Sarah a publié au moins un, si ce n'est deux romans avant ces deux-là. Donc je vais sûrement lui en acheter un des deux. Et je ramène pas mes exemplaires pour les faire signer, parce que je vous dis, moi, je m'en fiche un peu des dédicaces. J'ai déjà papoté 2-3 fois avec Sarah sur Instagram. Donc là, c'est vraiment pour la rencontrer et papoter peu avec, peut-être. Mais voilà, j'ai souvent dit... Enfin, j'ai déjà dit que j'aimais pas rencontrer les auteurs. Mais là, j'ai lu deux romans d'elle, donc j'ai... de quoi parler, en tout cas j'ai lu ses romans, et en plus on a déjà échangé, elle et moi, sur Instagram, sur d'autres sujets que ses romans, donc c'est juste aussi aller voir quelqu'un avec qui on a déjà échangé. C'est surtout pour ça d'ailleurs que j'y vais, parce que je prends pas de livre à faire dédicacer. Donc voilà, j'y vais tout de suite, et puis on se retrouve peut-être ce soir, je vous montrerai si j'ai acheté un livre ou pas. Je suis pas sûr qu'on ait vu grand chose, mais on doit sûrement les entendre. C'est un rendez-vous de motards déguisés en Père Noël qui se balade dans la rue, évidemment, au moment où je voulais tourner une vidéo. Bah oui, bien sûr. Bonjour, bonjour. On se retrouve au coin buvette de chez Flowfly, parce qu'on est le 13 décembre et ça fait, oula, moult jours que je n'ai pas ouvert. Ah putain, la chaudière. Je pars à Paris là dans 2 heures, il est 10h et... Non. Je pars à 14h et là il est 10h. Je vais chez le coiffeur d'ailleurs juste avant. J'espère que mon coiffeur va pas avoir du retard, parce que j'ai pris mon rendez-vous genre 1 heure avant mon train. Chose que je déteste faire, mais j'avais pas le choix. Et ça fait 3 jours que j'avais pas ouvert le calendrier de l'Avent. Donc du coup j'ai eu le 11 un thé vert tout simple, sans arôme ni rien. Un bancha ojicha. J'aime beaucoup mettre des feuilles de menthe avec mon thé vert, donc ça je m'en servirai, c'est sûr. Ensuite j'ai eu un rooibos au citron bio dans la case numéro 12. Il y a le petit truc là, agriculture biologique. J'aime pas trop le rooibos. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est pas mon thé préféré. Peut-être qu'avec le citron ça passera. Et aujourd'hui le 13 décembre, nous avons un thé noir parfumé pomme agrumes épices qui s'appelle le réveil du lion. Celui-là a l'air délicieux. Pomme agrumes épices, je pense que je vais m'en faire une dose tout de suite. Normalement je reviens mercredi, actuellement nous sommes lundi. Je crois que je vous ai pas dit pourquoi j'allais à Paris. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais avoir une clause de confidentialité ou non. Le truc, c'est que j'ai déjà participé à une émission télé, un jeu télé, il y a quoi, 2 ans de ça. J'ai joué à... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus du nom. Ah, le jeu avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec sur France 2. Tout le monde a son mot à dire, voilà, j'avais fait ça. J'étais resté champion pendant une semaine, je crois. Donc voilà, j'avais gagné un peu d'argent. Et donc du coup, bah, une fois que t'as joué à un jeu vidéo, t'es dans les fichiers de casting de France Télévisions. Et donc là, on m'a contacté pour un jeu sur France 3 qui s'appelle Trouver l'intrus avec Églantine Émeillé. C'est un jeu qui est diffusé tous les samedis à 17h30. C'est vraiment de la culture générale, genre t'as une question avec 4 réponses et il y a une réponse qui est fausse, genre en mode toutes ces îles sont des îles naturelles. Là j'ai vu, hein, c'est parce que je viens de regarder un replay. Et il y avait 5 îles, dont 4 qui étaient naturelles. Il y avait Palm Jumeirah, vous savez l'île en forme de palmier de chez à Dubaï là. C'est donc ça l'intrus. C'est un jeu en plusieurs manches. Bon, j'y vais, j'ai pas trop d'espoir, parce qu'il y a quand même un facteur chance dans les questions qui est parfois assez important. Enfin, je veux dire, les questions sont tellement pointues que personne ne peut tout trouver, ou très peu en tout cas. Donc bon, j'y vais, il y a, je crois, 5 participants à battre avant d'être champion et de possiblement gagner de l'argent, donc il est probable que je rentre bredouille. Mais c'est aussi l'occasion pour moi d'aller voir une amie qui habite à Paris et de dormir chez elle, donc c'est surtout pour ça aussi que je le fais. Cette nuit je vais aller dormir à l'hôtel, parce que vu que je tourne demain à partir, enfin je suis convoqué au salon de tournage, vu que je suis convoqué demain au studio de tournage à 10h,
30, il me paye la nuit d'hôtel, donc ce soir je dors à l'hôtel, à Montmartre en plus apparemment, je crois que j'ai regardé vite fait sur internet, l'hôtel est à Montmartre. Et demain je dormirai chez mon ami Auvergnate qui habite à Paris maintenant. Donc voilà, ça va être chouette, un beau programme. Le truc c'est que je suis convoqué à 10h, mais la dernière fois j'avais été convoqué à 13h, il me semble, et j'ai joué qu'à 15h, donc ça se trouve j'y vais pour 10h et je jouerai que l'après-midi. Je sais que quand j'avais fait Tout le monde a son mot à dire, on tournait 10 émissions d'affilée sur une journée. Moi du coup j'en avais fait 7. Parce qu'en fait si tu gagnes et que la journée de tournage est terminée, t'es obligé de revenir le lendemain pour tourner les autres émissions tant que tu gagnes quoi. Donc c'est pour ça que mon planning est un peu incertain. Le tournage dure de demain mardi jusque vendredi, mais il y a très peu de chances que je gagne autant d'émissions pour que je reste jusque vendredi. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris dans le doute, j'ai pris un billet retour pour vendredi, mais annulable, et je le modifierai demain, je pense, pour le remettre à mercredi. Donc voilà, donc je pense que. À partir de là, le vlog, ça va être surtout des petits morceaux d'images avec peut-être un peu de musique par-dessus parce que je vais aller dans Paris. Je vais pas trop sortir ma caméra, je suis un peu le touriste à la con qui a peur de tout dans Paris. J'aime pas prendre le métro, j'aime pas être sous terre, j'aime pas quand il y a beaucoup trop de monde, j'aime pas certains quartiers de Paris, donc voilà. Je ferai de mon mieux, mais je pense que la chochotte en moi va faire gaffe à ses affaires. Surtout qu'en plus, il faut ramener 10 tenues. Au studio de tournage, il faut prendre 10 tenues différentes, enfin 10 chemises différentes. Et c'est super chiant parce qu'il faut pas de rayures, faut pas de motifs, faut des rayures de plus de 2 cm, pas de couleur verte parce que bon, bah, y a des écrans verts, etc. Donc, moi, ma garde-robe, on me dit prends des trucs colorés, je monte plein de trucs avec des fleurs et tout, on me dit non, ça passe pas, ça passe pas. Donc là, j'ai galéré à faire ma valise ce matin, mais bon, elle est faite. Je vais chez le coiffeur à midi, à 14h, je prends mon train, et puis voilà. Donc bon, je vous ferai un petit room tour de ma chambre d'hôtel tout à l'heure. Parce que là, vraiment, ça fait influenceur. Ça fait vraiment, je vais à l'hôtel. En plus, on me paye l'hôtel. Non mais oh, je suis devenue une star de la télévision française. J'espère que je vais pas signer de truc de confidentialité. À mon avis, je pourrais juste pas dire si j'ai gagné ou si j'ai perdu, mais je pense que je peux en parler. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va être diffusé. J'aurai l'info en arrivant sur place. Ils nous disent toujours tout ça quand on est sur place. Mais en tout cas, c'est toujours drôle quand même d'aller dans les studios et de voir l'envers du décor. Donc même si je gagne rien, ça va me faire rire. C'est parti pour un petit room tour d'influenceur. J'avais mis mon petit béret parisien, parce que je suis pas très bien coiffé surtout. Bon, la chambre est pas ouf. Enfin, elle est très très bien. Mais c'est juste une chambre d'hôtel quoi en fait. Je me demande comment ça se fait que parfois j'aimais autant regarder les influenceurs ou les youtubeurs qui montraient leur chambre d'hôtel. Enfin, c'est un lit, une machine à café. En plus, j'ai pas spécialement une super vue, hein. Autant vous dire que j'avais vu sur le site où c'était marqué qu'on pouvait voir Montmartre. Bah, voilà ce que je vois. C'est à Clignancourt, des cités HLM. Mais bon, avec une grande télé. J'ose pas parler fort alors que bon, à la limite, je m'en fous. Hein. Il est quelle heure? Il est 16h, je pense pas sortir dans Paris parce que il va faire nuit, j'ai la flemme, on est à Clignancourt, c'est au fin fond de Paris. Pff, tant pis. De toute façon, je vais passer tout le mois de janvier à Paris, donc j'ai pas grand-chose à y faire. Là, je suis surtout là pour... C'est très plat. Ah oui, je suis allé chez le coiffeur depuis tout à l'heure. Je suis surtout là pour l'émission télé et pour voir ma pote demain, donc voilà. Demain matin, il faut que je sois à 10h à Saint-Denis, donc je vais me réveiller, je sais pas, assez tôt et je prendrai un taxi ou un Uber parce que la flemme, encore une fois, de devoir prendre le métro ou le bus. Donc je vais aller prendre une douche, me poser dans ce grand lit. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai pris un taxi là en allant de Gare de l'Est à Clignancourt. Et en fait, j'aime pas me balader dans Paris, sauf quand je suis en voiture. Genre, c'est vraiment. Mais même le bus, en fait, j'aime pas être sous terre. J'aime bien voir Paris, j'aime bien voir tout ce qui s'y passe. Mais bah voir. Donc du coup, là, j'ai pris un taxi parce que j'avais ma grosse valise, étant donné qu'ils nous demandent de prendre 10 tenues. Et la dernière fois que j'ai fait une émission télé, on m'a demandé de prendre 10 tenues. J'ai fait 7 émissions, j'ai gardé la même chemise pendant 6 émissions. Donc bon, je sais que c'est un peu inutile, mais c'est pour que le styliste ait le choix. Et donc du coup, voilà, petit tour en taxi où j'ai fait... Bon, après, on n'a pas fait bien loin, parce que j'ai fait Gare de l'Est, Clignancourt, donc juste le quart nord-est de Paris. C'est pas le plus joli, d'ailleurs. Mais voilà, donc si j'ai des trucs à faire à Paris, genre je voulais aller au Mot à la Bouche, tout ça, j'irai en janvier quand je resterai... Je pense qu'un week-end, j'essaierai de rester à Paris au lieu de rentrer à Reims. Et du coup, j'irai faire un tour dans les librairies parisienne, même si normalement j'ai pas le droit d'acheter. Là vous voyez, j'avais mis la polaire North Face qui tient bien chaud pour le voyage. Je suis plutôt en mode voyager confortable que voyager stylé, on va dire. Hein. Bref, voilà, je vais aller prendre ma douche, m'étaler tel un cachalot et regarder un film ou je ne sais quoi à la télé. Je sais même pas ce qu'ils nous proposent comme service. Et puis ce soir, il y a un resto à l'hôtel, je vais pas me faire chier, je vais bouffer au resto. Pardon, j'ai un rot. Je vais bouffer au resto de l'hôtel et puis voilà.
La chambre est vraiment cool. Regardez, c'est très sexy. Je suis en caleçon avec mes chaussettes. Je reviens du restaurant. J'ai mangé au restaurant ce soir. Et du coup, j'ai mangé tout seul. Et j'avais vraiment l'impression genre d'être un adulte. Vraiment un adulte. Le mec qui mange seul au restaurant, dans un hôtel, qui plus est. Et il y avait d'autres personnes qui étaient seules et on se regardait un peu en mode. Quelle vie il pourrait avoir. Enfin, moi, c'était ce que je me demandais. Genre, quand je voyais les gens qui arrivaient au restaurant et qui mangeaient seuls, j'essayais d'imaginer leur vie. Sinon, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui parce que l'hôtel est vraiment dans un quartier pas craignos, mais pas ouf de Paris où il n'y a rien à voir. Donc, je me suis installé devant Netflix dans la chambre et c'était drôlement chouette. Ça m'a permis de me reposer, de faire une sieste et d'être d'attaque dès demain matin pour aller gagner du flouze ou rien du tout et rentrer chez moi. Mais en plus, j'ai appris que ma pote chez qui je dors demain est en télétravail. Donc, du coup, je vais pouvoir aller chez elle plus tôt si jamais je finis le tournage assez rapidement. Donc c'est cool, comme ça on aura le temps de papoter, même si elle doit travailler. Étant donné que ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu depuis avant le Covid. Je sais plus à quelle occasion on s'était vu, mais ça fait au moins ouais, voilà, 2 ans qu'on s'est pas vu. Trop hâte de la retrouver. Et voilà, donc ce soir je vais bouquiner. D'ailleurs, oui, parlons lecture un peu, c'est un vlog lecture aussi. Pour une fois, d'habitude je prends toujours, quand je pars en voyage, ma liseuse plus d'autres bouquins. Et là j'ai pas pris de bouquins, je me suis dit, Floris, t'as une liseuse. L'intérêt c'est de ne pas embarquer de livres quand t'as une liseuse, donc limite-toi, déjà que j'avais ma grosse valise pour prendre toutes les affaires là. Du coup je me suis limité, j'ai pris que ma liseuse, sauf que j'avais pas regardé ce que j'avais dedans et il y avait pas grand chose qui m'intéressait, mais je n'ai pas acheté de livres. Et j'ai continué, en fait j'étais en train de lire, on verra rien, j'en suis à la moitié, on verra rien, mais c'est le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues. En fait j'en ai parlé dans mon tag de Noël en disant que c'était un livre qui permettait de retrouver son âme d'enfant. Et j'ai absolument pas parlé de mes 2 dernières lectures sur le vlog d'ailleurs. Je le ferai en rentrant à Reims parce que je vous les montrerai, là je les ai pas sous la main, ça va me faire chier d'incruster. Mais j'ai fait 2 lectures dont j'ai absolument pas parlé, ni ici, ni sur les réseaux, si sur Instagram un peu, bref. Et du coup ouais, j'avais envie de reprendre Gardien des Cités Perdues, j'avais commencé le tome 7 et j'en suis à 50%. Peut-être un peu plus même d'ailleurs. Non, 307 sur 611, ouais, pile 50%. Et ça va parce qu'en fait on était vraiment dans toute la première partie qui était très très creuse. Et je m'étais lassé et j'avais arrêté. Et là, en fait, je reprends, je pense, là où l'action va enfin démarrer dans ce tome. Donc, j'ose espérer que ça se passe mieux sur la fin de cette lecture, ou en tout cas sur la seconde moitié. Gardien des Cités Perdues, je vous dis, c'est pas comme Harry Potter, mais en gros, on est avec des elfes qui ont des pouvoirs, enfin, qui ont différents talents. Il y a par exemple les hydrokinésithérapeutes. Non. Hydrokinésistes, donc ils peuvent manipuler l'eau, il y a des ténébreux qui peuvent manipuler les ombres, il y a des télépathes qui peuvent parler par les pensées, il y a des empathes qui peuvent ressentir les émotions, il y a quoi d'autre? Il y a des technopathes qui sont très forts pour créer des gadgets ou bidouiller l'électricité, des trucs comme ça. Il y a des éclipseurs qui peuvent devenir invisibles, des flasheurs qui sont un peu les médecins grâce à des orbes lumineuses, enfin voilà, il y a plein de talents et chaque elfe à la naissance en gros a un talent et ne peut pas en posséder plusieurs, sauf évidemment notre héroïne principale qui s'appelle Sophie, qui se révèle avoir à chaque tome un nouveau talent. Bon, c'est un peu pété. Après, le monde est très très complexe, il y a plein de créatures, il y a plein de sortilèges, il y a plein de trucs, mais on est vraiment dans du fantastique même, je crois, du fantastique classique, où au fur et à mesure des intrigues, au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, l'autrice balance des trucs dont on n'était pas au courant, en tout cas, elle invente des nouveaux lieux, des nouvelles espèces, des nouveaux pouvoirs magiques qui permettent de faire évoluer l'intrigue, mais du coup c'est un peu dommage parce que vraiment la construction du monde se fait au fur et à mesure des tomes, j'aime pas trop quand c'est fait comme ça, mais bon. C'est vraiment de la littérature jeunesse, donc je me plains pas, je vous dis, c'est assez banal, il y a un triangle amoureux entre la personnage principale et 2 autres garçons, ça aussi c'est très convenu, mais franchement ça se lit pas trop mal, c'est assez sympa, il y a de l'aventure et tout, donc bon, là si j'ai dépassé la partie chiante, ça devrait aller pour le reste de ma lecture. Sur ce, je vais aller regarder Twitch sur cette magnifique, énorme télé. Je regarde Angle Droit, Florence, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une streameuse qui fait un peu du multigaming. Elle va faire une partie de comment... Enfin, c'est une streameuse qui fait du multigaming, mais qui est aussi... la lumière est dégueulasse, désolé. Qui est aussi juriste, enfin qui a été juriste avant d'être streameuse et qui du coup s'y connaît très bien en droit. Elle a fait des études de droit et je crois qu'elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle faisait... de la vulgarisation juridique. Mais je sais pas si c'est encore à jour, cette chaîne YouTube, ou en tout cas si c'est encore d'actu. Voilà, 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 ma soirée. Lecture, Twitch, et puis bah demain, réveil à 7h pour
pour aller au petit-déj. Je vais aller au petit-déj de l'hôtel, me goinfrer, et après aller au studio de la Plaine Saint-Denis pour enregistrer telle une resta. Je vais passer au maquillage, au coiffage, etc., etc. Mais là, on voit que je suis allé chez le coiffeur tout à l'heure. Donc, de toute façon, la coiffeuse, elle n'aura pas 36 000 solutions hein, pour me coiffer avec cet épi de brin. J'en ai un autre ici, puis j'en ai un là. Il n'y a pas trop de choix avec mes cheveux. Mais j'aime trop l'ambiance sur les plateaux, c'est vraiment... C'est fun. C'est fun d'être dans les loges, d'aller au maquillage et tout. Donc voilà. On se retrouve... je pense pas trop filmer jusqu'à ce que je sois passé. Donc peut-être qu'à demain après-midi, du coup. J'ai fait un plan dans Paris, vous avez sûrement pas reconnu, c'est à Nation, je suis allé faire un tour au printemps. J'ai acheté une petite doudoune chez Uniqlo et figurez-vous qu'il y avait une boutique parce qu'il y a un corner Gilbert Joseph dans le printemps de Nation. J'y suis resté très longtemps, on dirait que je suis chauve là. J'y suis resté au moins, je sais pas, 20 minutes, j'ai regardé plein de livres et en fait je me suis satisfait visuellement des livres que je regardais. Si je parais maquillée, je le suis hein, parce que j'étais au tournage ce matin. J'ai perdu, j'ai pas gagné d'argent. Et bref, j'ai rien acheté chez Gilbert. Donc voilà, je suis plutôt fier de moi. Là, je vais me balader un peu. Ma pote, elle est en télétravail. Mais je vais me balader dans le 12e en attendant qu'elle finisse de bosser et profiter un peu de Paris. Je sais pas pourquoi je m'évertue à faire des plans des immeubles. C'est des immeubles haussmanniens, quoi, voilà. Limite, j'ai envie de justifier. Genre, regardez, je suis bien à Paris. C'est pas des mythos. Oula, j'ai fait une bulle avec ma bouche. Non, mais voilà, j'ai regardé s'il n'y avait pas des petites librairies sympas, genre dans le coin où j'étais. Elles sont genre à 20 minutes de marche et j'ai la flemme. J'en ai repéré une tout à l'heure. En vrai, si je tombe sur une petite librairie où la libraire est sympa, je ne pourrais pas m'empêcher d'acheter un livre. Désolé. Parce que je me dis que le but du principal, c'est aussi de ne pas se frustrer. Alors oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai acheté des livres il n'y a pas longtemps. Quand je suis allé voir Sarah Baruch en signature, j'ai acheté les deux livres de Sarah, plus le livre avec qui elle était. Enfin, l'autrice avec qui elle était. Mais si je trouve quelque chose, pourquoi pas. J'ai froid, j'ai faim, j'ai la goutte au nez. Je rentre. Je fais un vlog. Bon, après, je mettrai une musique dessus. Droit à l'image, merde. C'est ton sapin. Oh là là, mon Dieu. Salut. Bonjour, le vlog. Salut, le vlog. Horrible. Mais ah, tu seras belle sur l'écran. Ah ouais, super. Du coup, tout à l'heure, j'étais à Nation, j'étais comme ça, genre, je racontais ma vie. Les gens, ils te regardaient pas vraiment... bizarre. Non, en vrai, ça va. Je suis assez décomplexé. Mais on est à Paris, il y a plein de vlogueurs, non? Oui, c'est vrai. Il va falloir que je prenne le métro, et ça... Mon Dieu! J'ai pris que des Uber et des taxis, j'ai vraiment fait le putain de Bourges tout mon séjour, en fait. J'avoue. Mais demain, je vais me mêler à la populace dans le métro à 8h du matin. Et c'est vraiment pas mon délire. Il va mourir, je pense. Cette meuf se fout de ma gueule! Et c'est donc Mimi! Je vous en avais un peu parlé dans un vlog, c'est ma copine de Clermont-Ferrand que j'ai rencontrée il y a 5 ans. Mazette. Ça fait un bail. Et ça fait 2 ans qu'on s'était pas vu. Donc on a plein de choses à se raconter, donc je ne vais pas vlogger ce soir. Non, secret. C'est attends, top secret. Par contre, l'autofocus, c'est pas ouf. Hein. Genre, oui, j'avoue, elle... Franchement, elle est vraiment bien. J'adore mais ouais, elle est bien. Le micro. Après la bouteille de champagne, en fait, on est des vieilles. En pilou-pilou dans le canapé. Quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'il restait encore l'étiquette. Mais non, l'étiquette, elle est là. Petite tisane. Alors, c'est pas ouf les tisanes chez Margot. Mais... Oh! T'es chié, toi, oh! Tisane à la verveine de chez The Elephant. Par contre, la tasse est très belle. Tasse parisienne de chez Monoprix. J'adore Monoprix. Et la finale de Koh-Lanta. Mais le plus important, c'est le combo de pilou-pilou. 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 Pilou-pilou partout. Appartement pilou-pilou. Parce que c'est beau les apparts parisiens, mais... Le double vitrage, ils connaissent pas. Le PVC non plus. L'étanchéité non plus. L'isolation phonique, l'isolation sonore, l'isolation climatique. Rien. Thermique, pas climatique. Bref. Non, voilà. On passe une très bonne soirée. Tu veux être dans le vlog? Non. Vaut mieux pas, vu sa gueule. La barbe. La barbe. Oh non. Elle est vide. Enfin, je crois. Ah, pas tout à fait. Oh non. Mais je vais dormir dessus, ça va bah sécher. Bah oui, mais quand même. La barbe. Toi, tu fous le bazar. Ça tâche pas, ça tâche pas. Tout est dans le vlog, j'avais pas coupé la caméra.
Si je suis mort demain, c'est qu'elle m'a tué dans mon sommeil parce que j'ai fait une tache sur son draus. Je suis bien rentré à Reims et aux abords de la gare, il y a le petit marché de Noël des artisans. Donc ça fait une petite balade en rentrant, c'est plutôt pas mal. Je suis un peu fatigué, hein. Ouh, Paris ça fatigue. J'écoute le nouvel album d'Angèle dans mes oreillettes en ce moment. Je l'avais pas encore écouté jusque là et j'aime beaucoup. C'est bizarre parce que je pensais vraiment que genre vloguer dans la rue comme ça en tenant le manche et tout devant tout le monde, ça me gênerait. Et en vrai j'ai pas tant de scrupules que ça, enfin genre je m'en fous un peu. C'est pas trop dérangeant. En vrai il y a des gens qui regardent et il y en a d'autres qui ont rien à foutre. Je pense que tout est une question de prendre sur soi ou pas quoi. Et étant donné que je suis plutôt partisan du j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, je les reverrai pas, et bah du coup ça pose pas trop de soucis finalement. Par contre il y a de la musique dehors donc peut-être que vous allez pas très bien m'entendre. Mais voilà. Ouh. Du coup là on est mercredi, je sais pas si je l'ai dit, 14 décembre je crois, ou 15, je sais plus. Si on est le 15 ça m'arrangerait, on serait déjà à la moitié des Vlogmas. Mais non en vrai c'est cool. Je vais rentrer chez moi, je vais monter ce vlog je pense là, et comme ça je le posterai demain, jeudi quoi, pour vous aujourd'hui du coup. Oh attendez, regardez, il y a un truc trop beau, faut que je vous montre. C'est un espèce de petit village de Noël, j'avais même pas vu qu'ils avaient fait ça dans ma ville. En plus c'est genre à littéralement 5 minutes de chez moi. Et c'est un truc pour les enfants je pense. La piste aux étoiles du Père Noël. C'est super chouette. Franchement ils ont bien fait ça. Ah mais oui, il y a le trône du Père Noël. C'est ça, mes neveux. J'ai vu des photos de mes neveux et nièces qui ont pris en photo avec le Père Noël. Donc je pense que c'était là. Trop mims. Et oh regardez, attendez, c'est trop beau. Et là c'est moi. Non, en vrai c'est très joli. Hein. Ils sont vraiment donnés cette année. Ah, il y a même une petite histoire à côté qui accompagne. Trop chouette. Il y a plusieurs petites cabanes comme ça. Ils ont bien fait ça à Reims. Et dans un vlog précédent, je vous disais que Reims était une des plus belles villes illuminées ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé un classement. Attendez, il y a encore la musique qui est à fond. J'ai trouvé un classement sur internet qui disait que Reims était la 12e ville la plus belle en termes d'illumination de Noël au monde. Au monde. Et c'était super bizarre d'ailleurs parce qu'on est genre, je crois qu'on était devant Colmar. Alors que le marché de Noël de Colmar est quand même assez réputé. Mais ma foi, why not hein. Moi je prends tout ce qui est positif en faveur de Reims, c'est trop cool. Donc du coup voilà, si vous êtes dans le coin de la Marne, n'hésitez pas à venir au marché de Noël de Reims. Il y a beaucoup de monde.